Et c'est parti. Et Orlan Ombissa, j'ai l'impression qu'elle est restée un petit peu dans les stars. Alors que Carole Zaï est bien partie, Marie-José Talou est bien. Marie-José Talou en tête, Marie-José Talou. Elle va s'imposer en 10,96. Un énorme chrono pour Marie-José Talou. Vu les conditions, c'est énorme. Carole Zaï nous a posé une vraie bonne course. Le temps et le vent est parfait. Avec 1,1 mètre par seconde devant et 11 secondes 16 pour Carole Zaï. Les minima sont en poche. Ah ouais, deux bonnes nouvelles, hein, deux bonnes nouvelles. Elles sont contentes parce que elles se connaissent bien, Marie-José Talou et Carole. Et alors que Yvette Lalova, on va pas être loin pour 18, ça va être juste pour Orlan Ombissa.